Kawani, c'est le titre de cette chanson que vous venez de suivre et qui annonce Caribou Variété, une chanson du groupe Zaïko Lingalanga dédiée à l'homme d'affaires congolais Alita Tchamala. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 17 mai 2020. Évidemment, tout est suspendu par rapport au Covid-19, par rapport à cette pandémie. Et la société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins vient d'initier une chanson. Une chanson pour en fait relayer le message des autorités de ce pays par rapport à la pandémie Covid-19, c'est-à-dire respecter les gestes barrières, ne pas se serrer la main, pas d'embrassade, c'est mettre à une distance d'un mètre entre nous. Toujours porter le masque, mais aussi et surtout rester chez vous. Une initiative de la Société congolaise des droits d'auteur, des droits voisins, avec les artistes et musiciens qui se sont réunis et pour sensibiliser les leurs. Ils le font à travers cette chanson pour lutter contre le Covid-19. Nous vous le proposons dans cette émission comme la toute première chanson de ce dimanche 17 mai. Sokoda chante coronavirus. Formidable, cette œuvre musicale qui regroupe un grand nombre de nos artistes musiciens pour relayer le message du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en décrétant l'état d'urgence sanitaire, voulait juste lutter contre ce Covid-19. Respectez les gestes barrières, mesdames et messieurs, restez à la maison, ne pas se saluer, pas d'embrassade, toujours porter le cache-nez. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que nous pourrons lutter contre le Covid-19. Alors, nous partons à Lyon pour vous parler d'un artiste et musicien. Lui, on l'appelle Arc-en-Ciel. À Lyon, on a beaucoup à Vicky Djenoubia, nous conduit à Lyon. Mais Arc-en-Ciel, c'est un jeune artiste qui a évolué dans le groupe Quartier Latin, mais aussi dans Olivier et Paris. Puis il est allé s'installer en Europe, plus précisément à Lyon, Lyon de Macambo. Là, il avait tenté sa première aventure avec son tout premier album intitulé Stratégie de la vie, qui n'a pas fait long feu, mais quand ça l'empêche, eh bien, Arc-en-Ciel, il a tout simplement décidé de reprendre ses activités avec son prochain album qui s'annonce à travers cette chanson que nous proposons qui s'intitule Tout l'amour Tonamaza, qui sortira de son prochain album qui sera très très bientôt sur le marché. Nous proposons donc Arc-en-Ciel, Mona Lyon, natif des Réguignes, Mona Réguignes, dans cette chanson que nous dédions à Vicky, Jenny, Béam, Kondi à Lyon, mais aussi à Maître, Midi Makenda, tous à Lyon où nous parlons. Arc-en-Ciel Ménage. La chanson s'intitule Lettre angélique, dédiée à Guy Michaud Kitoko, comme vient de le faire savoir Jotomé Yankumba. Alors, nous étions à Lyon, nous avons présenté ce jeune artiste, Arc-en-Ciel, très bientôt sur le marché avec son maxi single Tout la moto Maza. En attendant de recevoir notre prochaine invité, nous avons cette nouvelle du Général Defoe. Général Defoe, eh bien, il annonce la sortie pour très très bientôt de son prochain album intitulé Qui a dit que, c'est l'intitulé du prochain album, Général Defoe maintenant, qui sera produit par Clash Antipo Ndapimé. Retenez que le groupe Big Star et son leader se proposent de réaliser un safari à l'issue du déconfinement total de ce pays. Le safari aura lieu dans la province du Congo central, dans les différents centres commerciaux très très chauds de cette province. Eh bien, il va se produire tour à tour dans beaucoup de centres commerciaux comme Lose, Tchela, Lukula, Lindinga et tant d'autres. Mais tout cela se fera à la fin du déconfinement, dès qu'il s'est annoncé. Mais retenez que le Général Defoe, lui, il s'apprête à sortir son prochain album qui avait dit qu'on en saura un peu plus dans nos prochaines émissions. Covid-19, coronavirus, on en parle. C'est cette pandémie qui est à la base de l'état d'urgence sanitaire décrété dans notre pays par le président de la République. Et c'est la pousse des artistes et musiciens qui n'ont qu'une seule arme. La chanson et les paroles pour sensibiliser les Congolais et Congolaises de lutter contre le coronavirus. Juste respecter les gestes barrières, comme le rappelle dans cette chanson Protégeons-nous du cardinal Gibson Boutou Kondo. En image.
Protégeons la famille, protégeons-nous, c'est le message de Gibson Boutou Kondo Cardinal, ancien artiste et musicien qui a évolué dans le quartier latin. Et le public avait découvert à travers la chanson Biblia, beaucoup appréciée par de nombreux mélomanes. Jimmy Piana, en mode confinement, bien sûr, ici à Kinshasa, et depuis sa résidence, il nous charge de souhaiter un heureux anniversaire à Aïcha la Malienne. Aïcha la Malienne, véritable soldat des Binadam, eh bien, son anniversaire. Et la fête ce dimanche, papa chéri, il souhaite d'ores et déjà une très très bonne fête de naissance à elle, Aïcha la Malienne, la patronne de Aïcha Al-Emprod, Aïcha la Malienne, bon anniversaire de la part de papa chéri, notre pompon. Je reçois monsieur Angelos. Hein? Angelos, bonjour. Bonjour, mon artiste, musicien. Chanteur. Alors, je suis très bien que nous avons un groupe, il n'y avait pas Fabregas, le métier noir, et puis, comme pas Padre, Ferrego, c'est Jésus ça de Nuance. Jésus de Nuance. Ouais. Ouais. Alors, comment on va s'amener même sur le lot? Oui, le Padre, Mister Lova, nous a dit pour nous a sous-connecté. Ok, sous-connecté, donc, c'est notre permission, ça là. Album, on a 4 titres. Ok, d'accord. Vous n'avez pas fait le côté du pouvoir d'album? Il y a. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais. Ok, on a oublié. Oui, nous avons eu le temps vraiment, nous avons eu le temps de formation pour nous. Mais c'est décidé bien ça là. Album, on a eu. Ok, d'accord. Ce que vous n'avez pas fait, vous avez dit que nous avons aussi pris tout le temps que tu as passé là-bas en Chalos. Nous avons chanté Madimbo. Madimbo? Madimbo, 12 heures. Mais nous, vous avez un album mois de Bosso, vous allez guider? Oui, on a un salaire de test. Ok, quand on a un test, on a dit un Madimbo. Juste un bout là, un Madimbo, on a un test, juste un bout. Nazo comprend la love en route, Madimbo qui est wapi, mais tout le monde a tout mis balé na tika lina imoko. Ok. Papa, maman, babou, tanga, bakoufa, bakoum, est-ce qu'il était malilita, na impé nazo koufa, pomma, bolingola. Madimbo, ah ben, dis-moi, c'est un test, on a coupé à faire Madimbo, il y a l'album, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, non. Qui est derrière toi? Oui, écoute-moi, mais qu'est-ce que j'avais dit? Alors, Angelos, là, maintenant, tu décides de faire ta carrière. Donc, il y a tous les abonnés, c'est comme sous. C'est comme sous. Oui, sous. Comme le patron, il y a eu beaucoup. Patron, non. C'est ça le groupe? C'est le groupe T, pour la possibilité, on était dans un studio, on a travaillé. Ok. Après, tant aussi, on va concert, c'est on va playback. Nous allons voir les musiciens qui vont accompagner. Alors, maintenant, tu vois, tu prépares autre bien ami Moko, Yami Neito, Yazo, Yami Balézane. Non, Yami, nous avons 4 titres. Ok. Mais pour le moment, on a un titre Moko. On n'a pas la possibilité de méthode. Méthode. Nous avons la possibilité de Hervé Lokusa. Nous avons mis Balina, on va soutenir Maï. Deborah Mayo, la crème fraîche, on va soutenir Maï. Makula Blanc, on va soutenir Maï. Nous avons mis ça. Méthode. 4 titres. Méthode, on a cela coronavé. Non, coronaté. Ok, mais cela, on a les amis, on a tout le monde. Méthode, on a vu le pétanque en bas. Si, mettez-moi, monsieur. Ils ont un peu de moi, c'est moi du tout, ouais, très poli. Voilà. Chérie, n'a qui te correspond, le cola, ma mêle. Allo, ba canete, et pas son canete. Malgré beauté, n'a y respect, n'a motonios, mon cona cause à moi en pata. N'a cocagne l'olipangue. Aïe, 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 aïe. N'a changé méthode, y'a colové. Honorine Bambine, Norambili, Bolamwe pour la Kate, Sarah, Bonga, Deborah, Pembe, Otala Kaye, Mokona Kozomo, Mbongoye, Nabina, la famille, Hey, Mouchima, Nangaye, Moussiki Toko, Lokwa, Gombe, Bazura, Bien. Malembe, Malembe, Toko, Bonga, Kakaye, Malembe, Malembe, Hervé Lokusa, Kalo Boutique. Et le comme tu consimba, tu confines les gars, nzela teo, ma place n'a mon sala, nzambeli bosso. Concert, c'est le bébé, standard et fiché. Ma mélène, la mouka est. Comme tu consimba, tu confines les gars, nzela teo. Yebibi na yete, njambe na ngai,
qui beauté son couturé. Yoshimanda. Merci. Angelos. Maman Mille là. Dans méthode. Méthode Zoya Rachidi Assoumani. Si, bonne année. Pourquoi non? Bonne année, écoutez maman Mille. Ah, d'accord. Jouer un rôle l'écarté. Ah, d'accord. Je vais te lancer dans mon méthode. Bande quoi, bande biso, c'est péri na courage na yo, décidé au bande solongo. Je te donne un message à Ndeko Willy Kalenga, président Willy Kalenga depuis Lubumbashi. Il peut aussi être amené à te soutenir aussi. Alors, bande quoi, nous, soit on va soutenir, on va se rendre. Bande quoi, on va se rendre. Numéro Zali à contact, 43 89 51 888 27. Autour de nous, à Rousoua. Artiste pour Naman Italie, okay. Mon Italie, mon avancement, artiste, Bakalo Boutique, okay. Nzambe Vilamba, Bazali, Badjou Bassoumani, Bazali, ba Maman, Linda Koko, Bazali, Anne-Marie, Bazali. Merci Angelos. Merci pour la Missa Piaolo. Merci beaucoup et future carrière et bonne chance à Méthode qui annonce déjà ton tout premier album, hein, c'est ça hein? Oui, oui. Ok, d'accord, merci beaucoup et bon dimanche. Nous allons à Paris, mesdames et messieurs, où se trouve le chanteur Outamaï. Outamaï, un des grands chanteurs de notre pays qui a évolué et qui a beaucoup évolué dans le groupe Okidja du grand maître Franco Lambien qui a dit avec le succès que vous tous vous connaissez. Eh bien, depuis pratiquement 2 ans, il est sur le marché avec l'album Face Cachée qui contient plus de 9 titres. Et cet album a pris la participation de Delvis Del Salcero, Kaber Kavassini, Coco Niboma, ils étaient tous dans le grand couple autour de Outamaï pour l'accompagner dans cette œuvre musicale, cette chanson Face Cachée que nous dédions à Alphonse Koyibatimba. Katabalia avec Outamaï, mesdames et messieurs, tiré de l'album Face Cachée, une chanson que nous dédions à une dame. Elle s'appelle Véronique Bélé. Elle est au département d'Edson en France, à Paris. Nous lui souhaitons un bon dimanche avec cette belle chanson de Outamaï, Katabalia. Je reçois un prêtre sur ce plateau de Carré Vérité. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, maman, mamie, elle est là. Monsieur l'abbé Jean-Pierre Ngambi, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Je suis vicaire à la paroisse Saint-Pierre de Kinshasa. Kinshasa, bien sûr. Oui. Alors, monsieur l'abbé, nous vous recevons aujourd'hui comme artiste et musicien. Oui. Prêtre qui fait du rap, prêtre du rappeur. Oui. Il n'y a pas trop longtemps, nous avons reçu pour parler de votre premier album, je crois. Je crois. Il y avait 10 titres qui est déjà sorti. Je vendis aussi des disques aussi. Parce que nous-mêmes, parce qu'ici au Congo, on n'a pas vraiment de producteurs. On n'a pas vraiment de producteurs pour nous soutenir. Nous-mêmes, on est là en train de s'efforcer pour faire revivre, pour vivre nos œuvres à nous-mêmes. Alors, monsieur l'abbé, nous parlons Covid. Covid, disons. Coronavirus. Oui. Mais en mode rappeur. Oui, en mode rappeur. Si j'ai fait le style rap, si j'ai rappé par rapport à cette chanson, parce que moi d'abord, mon style préféré, c'est le rap. C'est j'ai fait toujours passer les messages en rappant, à faire les raps, pour diguer des conseils, prêcher. Sous forme de rap, c'est pour cela que je profitais aussi pour faire passer les messages de Covid-19 dans le style rap. La chanson s'intitule comment, monsieur la chanson s'intitule « Restez chez vous ».« Restez chez vous ».« Restez chez vous ». Et c'est une chanson qui est disponible déjà ou bien qu'est-ce qu'il faut pour se l'approprier comme le petit écran, monsieur jusque là, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas vraiment soutenus. Okay. Mais pour la promotion, je lance aussi un appel à son Excellence, le ministre Telly, de penser aussi aux artistes qui font la promotion quand même, qui ont des sensibilisés, qui sont en train de sensibiliser la population pour éviter la contamination de cette pandémie, le Covid-19, c'est à lui de voir. Nous sommes des artistes à solo parce que nous voyons nos grands frères qui ont chanté, mais il faut penser aussi à nous qui ont chanté peut-être en solo. Ça va aussi nous intéresser.
Donc, c'est un message pour vous adresser au ministre d'État en charge de la santé pour s'occuper un peu de vous autres, entre autres vous, monsieur l'abbé, qui voudrait sortir une chanson Restez chez vous, en mode rap, pour sensibiliser les chrétiens. Pas seulement les chrétiens, pour le moins, je suis chrétien, mais cette chanson, ça touche tout le monde. Ah, très bien, monsieur l'abbé. La population. Donc, cette chanson peut être disponible, comme on est là, comment on fait cette chanson, comme je l'ai dit, peut-être pour le contact, c'est lui qui veut la procurer, et toutefois, m'appeler au 089-95-34-399. Ok, monsieur l'abbé. C'est mon numéro. 089-95-34-399. Alors, monsieur l'abbé, merci beaucoup pour cette chanson. Restez chez vous. Restez chez vous en rap. Malheureusement, on n'avait pas prévu de passer cette chanson sur le plateau, mais comme vous êtes là et que c'est votre chanson, on peut avoir on peut faire plaisir aux chrétiens. Oui, je sais que les chrétiens. Les chrétiens rappeurs, surtout. Oui, pour les chrétiens, mais si, particulièrement son éminence aussi, les cardinals. Aussi, l'abbé Georges Ndjila, comme je l'ai dit, il y a presque tous les prêtres de Kinshasa, ils sont derrière. Suspendus à la télévision. Ils sont en train de me suivre et de m'écouter aussi. C'est possible d'avoir un bout? On a capté la Je reste chez moi. Je reste chez moi, monsieur l'abbé. Il reste chez lui. Nous restons chez nous. Vous restez chez vous. Il reste à ce jeu. Le coronavirus va rester chez lui. Mon frère, ma soeur, protégez-vous de COVID-19. Cette pandémie qui tue ne tient ne pas à compte le père, les mères, les fils, le grand, le petit, le blanc, le noir. Ça, c'est juste un extrait. Merci, monsieur l'abbé. Alors, un dernier mot pour ces chrétiens catholiques qui confiné en manque de culte dominical, qu'est-ce que vous leur dites en ce moment marial? En ce moment marial, je demande aux chrétiens de rester toujours fermes par rapport à leur foi, même si les messes sont suspendues momentanément, mais bientôt là, si Dieu le veut, si cette pandémie passe, nous aurons quand même la réouverture de nos églises. Okay. Sur tout ça, je leur demande toujours d'être patients et patientes pour nos activités. Bientôt, ça va revenir. Merci. Je profite aussi de cette occasion, comme je l'ai dit, pour dire à tous nos fans, toutes les personnes qui me soutiennent aussi, j'y vois particulièrement mon curé, Abbé Zindo, Abbé Sylvestre, mon colonel Abbé Bitoulou, Pierrot Kassoula, je vois aussi Papa Didier Nyanga, toutes les Monsieur l'abbé Jean-Pierre Mungambi, vicaire de la paroisse Saint-Pierre, ici à Kinshasa, est venu nous parler de la chanson Restez chez vous pour lutter contre le Covid-19. On reste dans cette lutte de Covid-19, bien sûr, avec cette chanson qui vient d'une Congolaise qui vit au niveau de Belgique. Elle s'appelle Wili Louaka. Notre confinement sera à Bruxelles, là. Elle vient de réaliser une chanson pour sensibiliser les siens, mais aussi la population congolaise située à travers le monde contre cette pandémie Covid-19. À travers cette chanson qui a eu le mérite de recevoir le soutien de beaucoup de ses amis à travers le monde. Elle remercie également Madame Ida Odia pour le management de cette chanson que nous vous proposons toujours. Restez chez vous, respectez les gestes barrières avec Wili Louaka. Le coronavirus est bien là, mesdames et messieurs, respectez les gestes barrières, toussez dans le coude, toujours porter le cache-nez, mais aussi et surtout éviter les embrassades, les salutations, mettre les distances pour lutter tous contre cette pandémie, raison pour laquelle les artistes et musiciens, toutes tendances confondues, sont en train de sensibiliser la population congolaise contre cette pandémie. Nous avons reçu un prêtre catholique tout à l'heure et dans quelques temps, nous irons
entrer à Jérusalem pour recevoir pour vous un artiste et musicien qui est linguiste, qui également sensibilise sa population contre cette pandémie. Mais bien avant cela, nous vous parlons de demain lundi, c'est le 18 mai, c'est le 30e anniversaire de la disparition de Soki Vango. Et à l'occasion, ses enfants, précisément Zizina et Nenette, se proposaient de réaliser un grand événement en sa mémoire, mais aussi en mémoire de leur oncle Emile Soki, décédé la même année, le même mois, mais à un intervalle de 2 semaines. Eh bien, compte tenu de cette pandémie coronavirus, cet événement est reporté. En attendant ce rendez-vous qui pourrait, si tout va bien, être réalisé, nous allons proposer ce bel hommage que le chanteur Alain Pella a rendu au frère Soki en interprétant superbement quelques-unes de leurs chansons à succès. Alain Pella, au meilleur de sa forme, a donc rendu hommage au frère Soki dans une émission Bakoum Doulé présentée et produite par Laurette Bokela Mopouya. Alain Pella chante le frère Soki. Alain Pella, le petit Mochoa qui vient donc de rendre un hommage au frère Soki en interprétant superbement quelques œuvres à succès de ce groupe, notamment Sola, mais aussi Yuyu. C'était lors de l'émission Bakolo Ndoulé, présentée et produite par Laurette Mbukila Mpouya. Ancien dimanche, eh bien, l'impresario Mantenza souhaite un heureux anniversaire à Madame Novata. Novata n'est autre que la veuve de l'artiste musicien d'Aliens qui est en mode confinement ici à Kinshasa. Novata vit à Bruxelles, un séjour à Kinshasa pour assister au tout premier anniversaire de la disparition de Lutumasimoro. Bien, elle se trouve confinée, c'est ici qu'est fait son anniversaire de naissance. Et bien, Mantenza, l'impresario, souhaite un heureux anniversaire. En ce dimanche, Novata en profite également pour rappeler à ses amis frères et connaissances qui, il y a 7 ans, disparaissait son jeune frère Zato, plus Zaba, plus connu sous le nom de Debos, décédé en mai 2016. Elle demande donc à tous ses amis, frères et connaissances, d'avoir une pensée pieuse pour Zabo, mais aussi pour leurs parents André Koé, maman Louise et le grand frère André de Kentz. Novata, on est ensemble, de cœur avec toi, avec l'impresario de Mantenza, nous te souhaitons une très bonne fête d'anniversaire. Nous partons de Congo central avec un artiste né Congo qui est avec nous sur ce plateau. Tobin Faye, petit effort. Petit effort, bonjour. Bonjour, grand plaisir. Avant tout, on a le soir, comment la petite effort? Il y en a comme un peu sans route. On est à Congo, il y a Zibukilo, il y a 2021, place générale d'effort grand, champ de chat à Botama. Ok. Avec le Boutou. Place Nzambé, petit Dieu à Botama Nzambé, pour l'histoire urbaine de Congo central. Ok. Mais place nous à Botama. Ok. Donc, tant de fois, on a un solo, on a un Botama. Donc, tant qu'il y a un solo, on a un Zambé. Vous avez un Tchik. Mais tant qu'il y a un voyage, on a un Botama. Ok. On voit tout ce qu'il y a dans le Congo central, on sait tout ce qu'il y a dans la Zalé. Donc, tant qu'on voit un Goku Kendetan, tant qu'on vient à un voyage, on vient à un Bosala, on sala na Kimpese, on a tout ce titi. On vient à un Yemba pour un Tchik à un Ké, on a un Ké, on a un Yemba. Bon, on a un classe, mais Yemba. Bien sûr. Nana
sanzele kimi kolo sani kusani lobi osangi eterna yo matina pepo yo kei no te metondi na mawa no oh mami lela. Merci vraiment. Alors, petit défaut. Tant mieux parce qu'au but du Cambo est quand même qu'il est quoi si mon qui est le coronavirus. Alors, au salon d'Imbo. Au salon d'Imbo, on a eu un rendez-vous, on a eu un gars de Bota. Il y a eu un coronavirus, il y a eu un solo. Titre en Imbo, on a eu. Mon titre est un conseil 4 minutes pour le virus. Très bien. Parce que toi, tu as voyagé en Zambé, à Ebispanga, dans un Kimbangi, c'est un Kimbangi, c'est un Kimbangi, c'est un Kimbangi, c'est un Kimbangi, José Massala, le grand coach, Angelou Pena, le grand coach, José Massala. Azolandana, Tom Nayaki, Massala Genzimbo, ou le coronavirus, conseil 4 minutes pour le Congolais, pour le Kimbangi touché. Mais Zambé, c'est un Azuma Congo. Tant nous sommes qui nous sommes awa, nous makambo e bande qui bon alala qui na butu papa Simon Kimbangu. Okay. Avec ça pour ça message nous ibukir mais na contre ya confirmant. Okay. Mais entre temps à la direct pour 2021 à la nana photo que nous kamba on a misé aussi là. Ya muna yembi ba jeune batika ko liani ya mamile la ser nana rubumba shi batika ko liambo donc nous on pense ba ki esprit na be ki kuluna. Moi, ma brutalité, pour ma jeunesse, c'est ça ma vie, pour ma soeur jeune. Et on a une petite défaut. Naka, mon Congo central, naïe pour la Luzibouki, le 2021, ma jeune, va comprendre tant on les a sous tant aussi. Pour papa Simon, elle n'a pas de la naïe. Ok, d'accord. Et on a une toujours, tout le temps, il s'appelle Sikwa, mais Beko Moïse, il s'appelle Sabisote Mère. Et mais Beko Pena, on va le dire Sikou. Ah oui. Et donc, mais écrit-il en nous, mais même message n'a pas de coronavirus. Naïmbi, Eric Mandala, Aria Bedachou, Didi Kimani, Batouana, tout va soutenir un bisou pour la sensibilisation. Après, ça peut me donner un naï, un grand frère, un nanano, un Kimbangi, c'est pour la Congo central. Ok, qu'on peut ça? N'a pas si José Massala, n'a pas si Papa Zako, Papa Mbenza, Papa Rigen. Merci merci beaucoup. Eh bien, nous allons parler de Fabregas, le métinois, Kailov de Fabregas, dédié à Madame Sandra, l'épouse de Zingetti, le Rakawak. Avec cette chanson, Madame Virginie Le Fameux, journaliste à la radio-télévision nationale, 20 ans jour pour jour, la fête était célébrée le dimanche passé. Eh bien, ce dimanche, Virginie Le Fameux souhaite un heureux anniversaire à Mademoiselle Exaucé. Exaucé, c'est la fille de Madame Mireille Wankakia-Clamart, qui fête ses 20 ans d'âge en ce jour. Eh bien, Virginie, qui fête ses 20 ans de carrière, souhaite donc une bonne fête d'anniversaire à Exaucé Wankake pour son anniversaire, plus précisément ses 20 ans d'âge. Nous allons parler de Thirbo. Thirbo Tunta, c'est un ancien musicien qui a évolué dans Big Star du général Defao. Depuis peu, il s'est installé aux États-Unis et d'Amérique. Mais nous parlons, Thirbo Tunta se trouve au Mozambique, à Maputo. Là, il nous annonce que ce 30 mai, il va procéder à la sortie officielle de son prochain album intitulé Traître d'amour. Donc, c'est pour ce 30 mai. Et cet album recevra bien sûr l'appui spirituel du pasteur James Mumbe qui se trouve à Maputo, qui va accompagner spirituellement Thirbo Tunta pour la sortie de son album Traître d'amour qui se prépare à l'arc sur le marché à partir de Mozambique. Ce sera le 30 mai. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis le producteur national, Chance Productions, si tout va bien, si Dieu le veut, il sera à Kinshasa dans les prochains jours afin de continuer ses activités. Chance Productions et sa maison sont attendus au niveau de Kolwezi Alisamou, dans la province de Lualaba, mais aussi à Tanganyika, toujours pour ses différentes productions en rapport avec la remise des prix patriotiques aux citoyens congolais qui ont mérité dans différents domaines que vous connaissez. Bien sûr, il va nous en parler à son retour à Kinshasa. On va parler de Erasson.
un phénomène qui est en raison en moins de confinement ici à Kinshasa. Enfin, Kinshasa, on va parler de lui tout à l'heure, mais avant de parler de lui, nous allons parler de son frère, Frère Patrice Ngoy Mutsoko, le président de l'AMCC, qui est en mode confinement ici à Kinshasa. Et en mode confinement, eh bien, Frère Patrice ne baisse pas les bras, il ne se repose pas pour le temps. Il est en train, il tient ses séances des répétitions en plein confinement, attendant évidemment que tout soit levé pour que les activités puissent se reprendre. Frère Patrice Ngoy Mutsoko, en répétition, en plein confinement, nous vous le proposons ce dimanche. Et pour souhaiter un très bon dimanche à Madame Noëlla Aniké qui travaille à la BFN Bank, la banque de RTNC. Bon dimanche, Noëlla Aniké avec le frère Patrice Ngoy Mutsoko. Soko toujours égal à lui-même, en répétition en mode confinement, des belles images. Donc pour le frère Patrice, bien sûr, il faudra désormais le suivre sur son site où il est en train de réaliser des séances de prière. Patrice Ngoy Mutsoko, comme vous suivez à travers les images, pour des prières et accompagner les frères et sœurs, les enfants qui vivent à travers la prière en ce moment de confinement. C'est une occasion également pour beaucoup d'entre nous de prier avec le frère Patrice Ngoy Mutsoko dans ces journées de prière qu'il a prévues sur son site. Et bien sûr, Sandra Manza trois fois carré fera partie de ses fidèles qui vont assister aux prières initiées par le frère Patrice Ngoy Mutsoko. Nous partons maintenant chez le petit frère. Il s'appelle Erason. Toujours infatigable, Erason, toujours en mouvement, Erason infatigable, toujours avec beaucoup d'initiatives. Vous le savez, avec ce confinement, pas moyen pour les artistes se réunissent, se produisent avec ce nombre limité à 20. C'est pratiquement impossible pour Erason, lui qui a la magie de la foule. Eh bien, là, il a pris cette initiative de se produire en virtuel pour son public sur YouTube. C'est un rendez-vous qui a commencé, un rendez-vous qu'il respecte désormais. Il s'est produit hier, bien sûr, à partir de 19h jusqu'à Eftem pour ses nombreux fanatiques qui étaient en ligne. Ils l'ont suivi. Et pour nous parler, je suis avec Sankara de Kumta. Bonjour. Oui, bonjour, Yamami Lela. Déjà, tout d'abord, on peut savoir bon dimanche. Oui, Rasson, le roi de la forêt, ainsi que Papa Mouye, Jimangez, immense. Bien sûr. En tout cas, Mouté, Mamala, Mouandengo, on a fait un peu de bon dimanche, Papa Mouye, Jimangez, immense. Donc, en tout cas, oui, Rasson, le roi de la forêt, à Talagi, qui est fanatique, Naye, dans un mode de confinement, et aussi, on a fait Batounion, sur Bazana Bandaku, Bomoni, pandémie, et Betibisonion, sur coronavirus, Batounion, sur vraiment Baza, vraiment. Concentré na banda ko bamso ba se confiné bamso ba zo tambola toujours ba masque oui la son état ambassadeur de la part ba non en tout cas il faut tout respecter ba geste barrière ou ba tonion so ba zo lo ba yango moni oui la son pa ibsa ki ba to bala ta ba casque ba so la ba maboko en tout cas tout respecter pe ba distance asuka ka wanate à travers fondation na oui la son roi de la forêt azako kabola ba biloko na ba chaque commune. Tout le week-end, oui, Rasson, à Kendaka Azo, Kaboula Babiloko. En tout cas, voilà un patriote, Moutouroua, oui, Rasson. Semaine prochaine, Nenezabo est déjà, oui, Rasson, à Kaboula Subiloko, grâce à Dr. Jeff Njadi, les têtes à Oyo, à s'impliquer vraiment à Kati Yabadon Oyo, oui, Rasson, à Kaboula. Yamomoni, oui, Rasson, à Talagabibon, ba fanatique, nanana, moussaleza musique, ba fanatique, nanana, bazana, banda, gouskoto, rosa, nin. Oui, Rassana Bino, non, en tout cas, il faut que Kamata, to banda siko et kubete la bango, concert live, donc live, okay. Mais chaque week-end. Donc tous les week-ends, désormais, tous les samedis, en tout cas, Bokende na oué Rassana officiel, abonnez-vous déjà massivement, parce que oué Rassana, le roi de la forêt, azo beta, pour n'a recepeli ça, bah, fanatique, n'est-ce pas, baza confiné, oué moya gobimezate, oué baza vouman anini, parce que na moment, oué malgré stress et zali, y'a malade, bah, tu n'y a baza banga, il faut que batouba sekama mouke. Quand sekama mouke, il peut s'accaper, santé qui toque santé corongono. Il y a un nouveau rasson à l'obis désormais chaque samedi. Toujours bête à la concert live, bota lango. On va faire ceci. On va suivre le rasson. Ok. Denga, selon combien de confinement pour le public naïf. Puis tu rebêtes à moi rapidement le solo à l'état de Chamalan. Qu'est-ce qu'il y a un projet là aussi? Si. Avec l'état de Chamalan. Mais retour d'abord. Une image, bien, avant tout ça, je suis c'est un homme, je suis un homme,
na talaginga bino ezo senga vmato ede mwana wana na filma kie na lansa pen na ba diaspora na yuso ya mamile la batu ba pesi bandaku uwe sali e ba pesi bambongo uwe sali forke to sombeli mama mwana na moto pweza lwa reveni na ye to sali alimentation uyo kalamingi te batu wazomo na wana ba filmaj epi kota za agi musika to lomboli bango to zuli bango nandaku okay. De sali ke batu wabino sanka wazana fondasyo teme ba komportema lwa wera bo nabite ezaka gana kanal nangani ya wadu walandi mea en tout cas deja tout d'abord, tu remercies les honorables Alita Chamala. Il y a le mille peuple d'abord. Okay. Pourquoi le peuple d'abord? Parce que tant que tu as fait un appel de fonds, Alita Chamala a fait ça toujours. Il y a eu un appel de journaliste, il y a eu un appel de journaliste. En tout cas, il y a eu un appel de sources de musiciens. Il y a eu un appel de porte-parole. 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 Chance Alita Chamala. Il y a eu un appel de d'abord. Même Sarah, Jancy Queen et Sarah Di, il y a eu un appel de porte-parole. Bien, en tout cas, il faut que nous soyons. Merci, honorable Alita Chamala. Merci, Nanderson Yimbi, Motomoko bien. Et puis, Tobo Sanité, Papi Machozi, Tete Ndai Maboko Bank, Amos Mbayo, Eric Mandala, sans oublier Legacy Mauricio et puis Patrick Tshisekedi, Basunga Pekaka, toujours. Et puis, PDG Ali Maimouna, Papa Raymond, en tout cas, merci, Nayo, vraiment. Pemène toujours Alita Chamala, Mère Ono Lubaki na Paris. En tout cas, l'État Chamala, pardon, le peuple d'abord. Il y a Kabaka, Kokaba, pas au continent, Kokaba, comprenez. Merci beaucoup, Sankara Rokuta. Remerciement également à l'honorable Alita Chamala pour tous ces gestes de cœur qu'il est en train de poser en endroit des artistes anciens, des artistes comédiens, mais aussi des porte-paroles. Retour en hommage pour proposer cet extrait de cette production virtuelle de Urasson sur sa page officielle Urasson, où c'est la télé de production pour ses. Et ce nombreux fanatiques en mode confinement, des images qui vont faire plaisir à Jojo Mandiki Mpata, mais aussi à la fondation Maître Yeva Bola. Urasson, toujours égal à lui-même, sur sa page Urasson officielle, vous allez donc le retrouver en mode confinement pour ses productions à l'intention de ses nombreux fans en mode confinement, surtout Maître Casil, l'abondance ne nuit pas. C'est parmi les personnes à qui Urasson a dédié cette belle initiative qu'il a eue de faire plaisir à ses nombreux fanatiques à travers ses concerts virtuels. Bien sûr, Maître Casil remercie particulièrement sincèrement Urasson pour ce geste. Un grand merci de Piroger et Bounia Collection à Urasson pour cette belle initiative des productions virtuelles qui désormais sont des rendez-vous qu'il faut désormais retenir chaque samedi à partir de 19h. Et depuis Lubumbashi, nous avons ce message d'Alain Balay. Alain Balay qui félicite et encourage Urasson pour cette initiative de ses productions en virtuel sur sa page Facebook Urasson officielle. Sur ce plateau, je reçois Maître Djerba. Djerba, bonjour. Bonjour. Je dis bonjour également à Yorobo. Yorobo, bonjour. Salut maman. Alors, Djerba, na MBO na combo ya Adolphe. Tata Mobit qui a peu été en deuil, il avait perdu sa grande sœur, hein, Madame Josiane, qui a été inhumée au niveau de Londres, là où elle vit. Alors, aux amis de bas, au Tata Tindio, pour nous couper ça, on avait dans ce salaire qui mène à Nicambon. Bon, les deux amis, car qui est juste qu'on remercie, boss, on a terminé la remercie, bateau, nous sommes assistés qui est un moment où difficile à Zaki. Ça qui passe à maîtriser, mais nous avons là mon tour. Après, ça ne va pas jouer. La main a tenu à remercier. Ben, nous sommes sur Poto, Belgique, Paris, Londres, Bruxelles, Bordeaux. Nous sommes Poto, va soutenir qui est et à remercier. Ben, nous à remercier les amis d'enfance, son ami personnel, papa chéri, Jimmy Piana, l'ingénieur Blaise Boula, Nayo Yamami, Navina de Doné Angumba. À remercier. Yawili Moucheni, Kamika Chama, Paul Bindou, Pacific Palace, Odette Nzongo, Pada, ma collection. Et vraiment, via Talaki, nous sommes soutenus. Il y a mon équipe, on a remercié Bango et Misanate, Banamangai, Brian, Na. Merci beaucoup.
Maître Djerba Lobokou, qui au nom de Tata Mimitch a remercié donc Adolphe Dominguez, a remercié toutes les personnes qui l'ont soutenu physiquement, spirituellement, matériellement lors de la disparition de sa sœur Josiane Ebonja, décédée à Londres. Sur ce plateau, nous recevons Yorobo, bonjour, je rappelle Yorobo, artiste et musicien. Là, Yorobo, le rose est 17, mais pas Yorobo à Kadoyot. Le rose est fait. Ouais, maman, mamie. Mmh. En tout cas, à la base, je ne devais pas passer. Voilà, je suis vraiment en train de bosser pour préparer mon album. Ok. Qui va arriver. Et puis, il y a beaucoup de tubes qui vont s'acheminer là, juste après le 25, parce que le 25, à la base, c'est mon anniversaire. Donc, après mon anniversaire, je commence à sortir de tubes. Mmh. Donc, voilà pourquoi, mais comme quand je pense à ma vie précédente, voilà. Donc, il me dit non, il faut passer pour saluer la nation. Okay. Et puis, souhaiter bonne fête à tous les Kadogo libérateurs. Très bien. Voilà, parce qu'ils m'ont beaucoup écrit toute la nuit. Merci beaucoup. Voilà, donc, et puis, je tiens à. Il y a la côte à moi, la mouquée, dont on a eu la bande de Konanagnon sur la foule, précisément quartier Mitendi. Mitendi, ok. Donc la Mitendi, semaine prochaine, la joie, parce que au moni, tout ça, nous sommes au Corona, nous sommes au Corona, nous sommes au Corona, et puis, le lot, quand nous au moni, papa n'a pas besoin d'avoir ensemble dans le salon. Il y a un peu plus de trouver exemple à Colanda. Donc, il y a un peu plus de maître Guy, ma foule, Guy Luando, Fondation Widal. Okay. Fondation Widal, donc Guy Luando, maître Guy Luando. Le sénateur. Ouais, le sénateur Nabisso Amboka. Donc en tout cas, soutien à eux, ils ont vraiment. Dans Mitendi, aux Alakoma. Donc la Bengi va venir dans la tour, va marter Tchamoulé sous la capitaine, va tenir Koumou, va Koukou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il y a également les félicitations de Coucou et de Chris Nguenoni qui te souhaitent aussi une bonne fête. Hein. Ah, merci. Et merci également à la Fondation Vidal du sénateur Guy Luando Mboyo pour le soutien aux actions qui vont être posées par Yorobo. Alors, retour à l'image, Tokei Maindombe, Kuna le Lendomaindombe, c'est grand-père. Mais un peu précisément à Yumpi. Là, grand-père a réalisé une œuvre musicale qui demande le retour de la paix entre les frères et sœurs de Yumpi, Batende, Bangi, Banso, Boussangana, à travers cette chanson Elunga. Il y a eu à Binomoko, à Bolingo, à Binomoko, à Lokuma, à grand-père Benz Bozibouziana, Elunga, Tokei Maindombe. Au nom de l'amour, cette chanson que nous dédions à Jesse Kabasele, M. Le Panier, mais aussi à Derek Silimou pour clôturer en beauté cette émission Carré Bouvarité. C'est donc la fin de cette émission. Occasion encore une fois pour moi de remercier tous les techniciens, caméramen, monteurs, au niveau de la régie avec Pichobou Benga Kassombo, parce que c'est grâce à eux, encore une fois, Carré Bouvarité est produit et que nous nous retrouvons encore chaque dimanche. Et le prochain rendez-vous avec l'actualité musicale, mesdames et messieurs, c'est le dimanche prochain, même heure, même scène. Bonne suite de programme sur la télévision nationale. Place au journal télévisé qui sera présenté tout à l'heure par Joël Lungenza. Merci.